Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Vincent Lefebvre et je vais vous présenter quelques petits rappels en ce qui concerne certaines consignes sanitaires et de nouveaux règlements pour l'année scolaire 2020-2021 à l'école polyvalente Nicolas Gatineau. Le matin en arrivant à l'école, on te demandera de te diriger immédiatement vers ton local de classe qui sera débarré dès 7h45. Seulement le sac à dos, le sac à lunch et du matériel scolaire est autorisé à l'intérieur de ton école et dans ta classe. Les planches à roulettes et les ballons ne sont pas autorisés. Afin de bien respecter les consignes sanitaires, on te demande de ne pas partager ta collation avec tes amis. Considérant le port du masque obligatoire dans les aires communes, il est interdit de manger une collation ou un dîner dans ces endroits. On t'invite à prendre ta collation en classe lors des pauses. On t'invite également à prendre ton dîner en classe ou à la cafétéria à ta place désignée selon les consignes de ton unité. Pour les élèves des secondaires 2 et 3, dont leur local de classe est prévu pour le dîner, on vous invite à quitter la classe après 30 minutes afin de vous diriger vers les aires communes ou à l'extérieur de l'école. Lorsque ton dîner est terminé, il sera possible de retourner dans ta classe dès 11h40. Il est important de respecter les consignes de circulation dans les corridors. On te demande de respecter le sens des flèches. On vous demande votre collaboration en ce qui concerne le respect de la distanciation de 1 mètre entre vous, et ce, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. On évite les câlins, les poignées de main et tout autre contact physique. Afin de maximiser ta sécurité, le port du masque est obligatoire lorsque tu es au débarcadère. On te recommande fortement de porter ton couvre-visage à l'extérieur, c'est-à-dire sur le terrain de ton école, considérant que la distanciation est difficile à appliquer. On te demande de respecter les bulles de classe, donc il est interdit d'aller dans une classe qui n'est pas la tienne. Petit rappel en ce qui concerne la gamme de vêtements. On te rappelle que le port du polo est obligatoire sous la veste. Par contre, lorsque tu portes le coton ouaté, il est possible de le porter sans un polo de la gamme. Lorsque tu mets ton couvre-visage, tu dois le manipuler sans jamais toucher la peau de ton visage avec tes mains. En retirant ton couvre-visage réutilisable, tu dois en disposer dans un sac en plastique hermétique. Si tu utilises un masque de type médical, tu dois le jeter à la poubelle après l'utilisation. Merci de votre collaboration en ce qui a trait au respect de ces nouvelles consignes.